Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour l'émission Wall Street Insider qui a malgré tout lieu, en dépit de ce jour férié, pas de statistiques américaines cet après-midi. Cependant, vous avez sous les yeux donc le programme de cette 166e réunion de l'OPEP, avec d'ailleurs on en reparlera de ces, des pétroles, hein, puisque Brent et WTI tout à l'heure faisaient des nouveaux plus bas annuels. Cette réunion a commencé à 10h, elle s'est close à 12h, et donc à 16h nous attendons une conférence de presse avec tout un tas de rumeurs qui entourent cet événement. Et jusqu'à preuve du contraire, ces rumeurs défendent plutôt l'absence d'accord en vue de diminuer la production actuelle de l'OPEP. Et en tout cas, le marché du pétrole était tout à l'heure sous pression baissière. Nous verrons la suite des événements suite à cette conférence de presse. On parlera aussi du gaz naturel. Et enfin, eh bien, pour gagner du temps, aujourd'hui nous passerons en revue uniquement les graphiques en données 4 heures. Voilà, je me concentrerai sur l'intraday, sur les paires de devises de votre choix, encore les indices boursiers ou encore les matières premières, bref, ce qui vous intéresse, notamment l'euro-dollar. Alors, même s'il n'y a pas de statistiques américaines avant le lundi 1er décembre 2014, donc lundi prochain, il y a quand même des chiffres économiques importants qui sont publiés au sein de la zone euro, donc clairement, on le peut constater depuis ce matin, il y a eu un impact sur l'euro-dollar, sur le GBP/USD. D'ailleurs, j'apprécie la réaction du GBP/USD sur un petit support intraday. Bref, on parlera aussi de la USD yen. Hier, je vous invitais à vous intéresser au niveau des 100 yens et il faut prendre ses bénéfices désormais puisque cette paire de devises a enregistré un rebond d'une centaine de pips, somme toute appréciable. En tout cas, tout à l'heure à 16h, eh bien, j'essaierai de suivre cette conférence de presse du secrétaire général de l'OPEP qui sera importante au même titre que l'est par exemple une conférence de presse d'un patron de banque centrale pour la monnaie. Bon, sur le site d'AliFX, il y a déjà un certain nombre d'articles, je vous invite à en prendre connaissance. Maintenant parlons peu, parlons bien, venons-en aux graphiques. Alors je vais évacuer tout de suite le sujet d'ailleurs des indices boursiers. Il s'est passé quelque chose ce matin d'ailleurs en ce qui concerne Euronext avec des soucis techniques. Les marchés actions en Europe sont haussiers depuis le 16 octobre. Ils ont connu une belle impulsion haussière la semaine dernière, avec notamment la possibilité de se positionner à l'achat sur le DAX lorsqu'il a effectué un pullback à 1240 points. Maintenant, ces indices ont rejoint des niveaux de résistance et des divergences intraday ont été identifiées par notre équipe en début de semaine. Jusqu'à présent, ces divergences négatives sont épurées à plat. En clair, elles se traduisent simplement par un marché flat sous résistance. Alors ce flat s'inscrit juste après l'inscription d'un mât haussier. Vous avez ici par exemple sur le CAC 40 une jambe de hausse entre 4200 et 4400 points, un micro flat haussier entre 4356 et 4400. Ça peut en effet faire eh bien, phase de transition latérale avant d'accélérer en direction des 4436 et des 4500 points. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, cette résistance à 4400 points n'est pas franchie. Et donc, tant que ce marché se maintient sous ces 4400 points, il existe encore un scénario possible de retour à la moyenne qui pourrait tout simplement prendre la forme d'un pullback sur support. Alors, au sein du range 4356-4400 points, ce marché action parisien est pour l'instant parfaitement neutre sous l'influence d'une divergence négative ici de momentum, mais qui s'est déjà un peu dégonflée et qui pour le moment ne provoque pas de cassure de support, mais en tout cas neutralise des cassures de résistance. Nous verrons bien cet après-midi, sachant que de toute façon, sans les investisseurs américains, eh bien, je ne sais pas réellement ce qui peut se passer. Et au fond, ce flat peut durer encore jusqu'à vendredi sur l'indice parisien. Alors d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le début du mois de décembre. Il sera donc temps de faire un bilan des marchés financiers au mois de novembre et d'envisager la suite des événements. Nous rentrons dans un mois de décembre qui fait beaucoup parler de lui d'ailleurs parce que souvent ce mois fait référence à ce qu'on appelle le fameux rallye de fin d'année. Nous vous préparons d'ailleurs un article sur ce sujet pour bien comprendre ce qui se cache derrière cette réalité qui est avant tout une réalité statistique de performance des marchés actions sur ce mois de décembre. En tout cas le CAC 40, 4356, 4400 points. Sous les 4400 points, la div peut provoquer des cassures de support et le marché peut revenir chercher 4356, 4323. Par contre, clairement une cassure haussière des 4400 points eh bien, serait un signal d'achat pour viser 4436 points sur le CAC. Le DAX, lui, eh bien, est tout simplement un indice qui surperforme le marché parisien. Le DAX approche de ses sommets historiques. Alors là, c'est encore plus puissant, sachant que la divergence intraday, elle n'est même pas épurée à plat, elle est épurée à la hausse. Enfin, en clair, ça n'a simplement fait que ralentir la hausse. Donc, c'est clairement hyper puissant. Nous sommes pile poil sous 10 000 points, sous la partie haute d'un canal. Alors forcément, aujourd'hui, il y a une volatilité très faible, essentiellement parce que le marché action américain et les investisseurs nord-américains sont off pendant 2 jours. Vous avez sur notre forum la modification d'ailleurs des heures de trading en ce qui concerne nos contrats CFD. Tout se trouve donc dans la section adaptée du forum dailyfx. Et donc les 10 000 points sont probablement la traduction des 4400 points sur l'indice CAC 40. Et pour le moment, eh bien, on voit que ce marché est plutôt bien soutenu. Cependant, sous ces sommets hystériques, à un moment ou à un autre, eh bien, on peut envisager ne serait-ce qu'un scénario de pullback, de retour sur des niveaux de support pour revenir à la moyenne. Alors, le scénario alternatif, ce serait une impulsion haussière qui permettrait au DAX de casser ces sommets historiques. Mais s'il devait faire ça, j'imagine davantage ce scénario plutôt pour la fin du mois de décembre. Enfin, d'ici là, beaucoup de choses sont possibles, donc nous verrons bien. En tout cas, à court terme, 10 000 points résistance sur le DAX, haut de canal, divergence négative de momentum. Cependant, il est préférable, si vous cherchez des ventes, de se positionner sur des indices plus faibles. Et entre le CAC et le DAX, il n'y a pas photo, c'est l'indice CAC 40. Bon, les indices US, pas la peine d'en parler, aucun intérêt. L'Eurostoxx 50, lui, il intègre les actions espagnoles et italiennes. Alors, le MIB et l'IBEX sont quand même plus performants. C'est ce que j'ai remarqué depuis le début de la semaine. Ils rattrapent leur retard et ils se comportent même plutôt bien. L'IBEX, il est haussier depuis qu'il a cassé les 10514. Il est sorti par le haut d'un range. Et je pense que d'ici la fin de l'année, ce marché peut tout à fait revenir chercher les 11 000 points. Mais avant cela, nous pouvons envisager un retour au moins sur ce support des 10514, si ce n'est que pour le moment le marché fait le choix d'un flat. Bon, dans tous les cas, je pense pas qu'on aura des décalages vraiment importants ce jeudi, ni vendredi d'ailleurs, sur ces marchés actions européens. Donc un scénario de pullback sur support sur l'IBEX, ce serait revenir sur ce support des 10514 points. Et on a à peu près le même type de construction sur le MIB, et j'en ai terminé donc avec ces indices boursiers. Ensuite, le MIB, c'est pareil, il a donné un signal d'achat, c'était en début de semaine en cassant les 19 786. Un mât haussier, il fait un espèce de flat en plein milieu du mât haussier. Alors on peut envisager un pullback à un moment ou à un autre sur 17 786. 17 786, ce sera un support pour acheter, mais là nous sommes 300 points au-dessus, donc on peut pas, on doit tenir compte d'une possibilité de revenir sur ce support. Et pour la fin de l'année, dans le cadre de ce qui pourrait être ce fameux rallye de fin d'année, un marché capable d'aller chercher les 20 500 sur le MIB. Bon, en tout cas aujourd'hui sur MIB, IBEX, CAC ou DAX, on ne peut pas dire qu'il y ait de forts décalages. Voilà donc pour les indices boursiers. Maintenant les paires de devises, j'en propose donc un tour d'horizon donné 4 heures. On va commencer donc par l'euro-dollar et l'USD/CHF. L'euro-dollar qui est donc à nouveau couvert depuis ce matin par la ligne de tendance baissière en place depuis le 15 octobre 2014, que nous retrouvons ici en ligne de tendance haussière sur USD/CHF. Alors l'eurodoll réagit sur 1,2465 depuis ce matin, mais honnêtement, il est de toute façon encore couvert par cet oblique. Le premier support c'est 24,40. De toute façon, là maintenant je vois finalement des espèces de compression entre les points hauts de ce matin et les 24,40, et sur l'USD/CHF entre les points bas de ce matin et les 96,62. Voilà donc pour l'USD/CHF. Ensuite, si je zoome sur l'euro-dollar, eh bien la compression elle est assez étroite, car nous avons quand même une ligne de tendance haussière depuis le début de la semaine, donc le 23 novembre, c'est depuis lundi, hein, enfin voilà, depuis dimanche à l'ouverture du Forex. On a une ligne de tendance haussière qui soutient les cours à 1,2465. Et nous avons donc l'oblique de tendance baissière qui passe à 1,25. En clair, l'euro-dollar est désormais prisonnier d'une compression de 35 pips, 1,2465 et 1,25. Le jour où l'euro-dollar en sortira, par le bas, c'est retour à 23,50. Par le haut, c'est accélération en direction des 25,70. Voilà actuellement l'état du marché ici de l'euro-dollar. Et au fond, on a eu ce matin quand même un discours de Mario Draghi il a provoqué une jambe de baisse, mais qui est quand même moins violente que celle auxquelles nous sommes habitués, avec une paire euro-dollar qui s'est donc stabilisée sur ces 25,65 et cette ligne de tendance. Et finalement, pour observer la compression, elle est maintenant hyper réduite, la ligne de tendance baissière H4 et cette petite ligne de tendance haussière en place depuis le 23 novembre, 24,65, peut-être un niveau de support, peut-être que certains ont acheté en fin de matinée. Cependant, c'est un scénario qui est risqué dans le sens où la ligne H4 baissière ici couvre toujours les cours. Et finalement, le jour où l'euro-dollar sera capable de la briser par en haut, cette oblique H4 en place depuis mi-octobre, là nous aurons enfin ce signal attendu d'un rebond technique, mais qui pour le moment n'intervient pas. Voilà donc dans quoi nous sommes actuellement ici sur l'euro-dollar, et voilà, ici ce sont ces 24,65 donc qui viennent renforcer cette oblique ici de tendance. Vous rejoignez tous les bas de marché les plus saillants depuis le début de l'année. Le GBP/USD, je vous ai proposé hier une stratégie d'achat sur pullback. Qu'en est-il? Faut-il encore s'y intéresser? Il y avait un objectif sur le GBP/USD qui a été approché à 58,40. Le marché a fait 58,25. Et le voilà qui retombe. Le câble, bon, on sait, hein, suit toujours une dynamique baissière depuis juillet dernier. L'idée c'était quoi? C'était qu'hier, le franchissement des 57,37 permettait de revenir chercher la ligne de tendance baissière ici en place depuis juillet 2014. Donc, il y a deux possibilités. Soit le câble est en train d'effectuer un mouvement de retour sur 57,20, 57,37. 57,37 c'est ce niveau de support horizontal et les 57,20 en fait c'est ce point de clôture ici. Avant de revenir et tenter une nouvelle fois d'aller chercher eh bien, ce haut de canal de baisse, en sachant qu'on a aussi ici sur l'indicateur RSI une ligne de tendance qui peut être sympathique. Donc en clair, on revient sur le GBP eh bien, à proximité d'un support entre 57,20 et 57,35 qui est susceptible de faire réagir favorablement ici les cours du câble. Par contre, forcément, eh bien, si ce niveau est enfoncé, le marché reviendra sur les récents plus bas. Alors, il faut se poser la question finalement du dollar US qui forme un support depuis ce matin à 11 285. 11 285. Un niveau horizontal qui est plutôt sympathique. Il y avait dans l'esprit une espèce de diff positive un peu, je dirais, cachée, dans le sens où ici vous avez un nouveau plus bas sur l'indicateur qu'on ne retrouve pas ici sur les prix, et donc forcément 11 285 fait office de support. Dollar US il est toujours haussier, cependant le rythme de cette hausse a changé, ce qu'on appelle le momentum. Ça ne monte plus en ligne droite, ça monte de manière plus lente. Alors pourquoi est-ce qu'on monte de manière plus lente? Parce que nous avons atteint des résistances importantes, et notamment en utilisant cet article qui se trouve sur le site, eh bien, et l'indice devise très utilisé dans les salles de marché, le DXY, eh bien, nous avons atteint les sommets de 2009 et de 2010. C'est une résistance, elle provoque simplement pour l'instant un flat. Un flat, période de temporisation, mais il n'y a pas de cassure de support pour le moment sur le dollar US. Forcément, si on dit qu'il n'y a pas de cassure de support sur le dollar US, ça signifie qu'il n'y a pas de cassure de résistance sur l'euro dollar ou encore sur le GBP/USD. Les choses peuvent-elles changer? Nous avons vu que c'est tout à fait possible, et le signal serait un euro-dollar capable, disons, d'inscrire une clôture H4 au-dessus, je dirais, des 25,10, 25,10. Là, je pense que nous aurions un signal d'accélération en direction des 25,70 et probablement plus derrière, étant donné qu'on s'affranchirait par le haut eh bien, d'une ligne de tendance baissière qui agit quand même depuis octobre. Donc, j'ai quand même, depuis ce matin, privilégié cette oblique de tendance haussière ici sur l'euro-dollar. Reste que le marché, pour l'instant, ne confirme pas. Il faudrait vraiment s'affranchir de cette zone pour confirmer un élan positif de l'euro-dollar depuis un 24,65. On brise un 24,65, c'est terminé, et nous retombons vers 23,50. Idem sur le GBP/USD. on a fait une espèce de rounding, soit c'est un pullback, soit ça brise et ça revient en bas. Personne n'a la réponse, cependant on achète sur support, on vend sous résistance, et honnêtement un petit ticket acheteur sur le câble 57,20, 57,35 eh bien, est sur le plan d'analyse technique justifié. Voilà donc où nous en sommes sur ces paires majeures que sont l'eurodoll, l'USD/CHF ou le GBP/USD. Alors ensuite il y a beaucoup d'autres paires de devises. J'attire notamment votre attention hier sur l'AUD/CHF qui, au moment où nous parlions, testait un niveau de support ici à 0,82. Nous avons une belle réaction sur l'AUD/CHF. Prenez vos bénéfices. Je ne suis pas certain que l'AUD/CHF soit en mesure de rejoindre la partie haute de son range, si ce n'est que nous avions une belle divergence haussière hier, lorsque l'AUD/CHF tentait de casser son support et inscrivait un nouveau plus bas ici. Eh bien vous pouvez constater que nous avions deux creux ascendants ici sur l'indicateur technique RSI en données H4. Donc c'est pas mal ce qu'a fait l'AUD/CHF, cependant, doutant de la suite des événements, je pense que si on a pu sécuriser 50 à 60 pips de gain, cela me paraît suffisant. L'AUD/YEN, c'est exactement le même topo, même si il y a une réaction sympathique sur le niveau des 100 yens. Je pense que désormais, on a une résistance ici à 101,24. Je me souviens, on était ensemble dans ce live, hein, lorsque le marché testait les 100 yens, possibilité de se positionner prémuni par un stop sous 99,50. Au niveau actuel des cours, sur les 100,70, je pense que là aussi il est temps de sortir. Nous sommes au milieu de nulle part et nous sommes approchés d'une résistance. Et finalement, ce que je viens de vous montrer sur l'AUD/CHF ou l'AUD/YEN, c'est ce que Nicolas Chéron vous a proposé d'attraper sur l'AUD/USD hier, qui eh bien, testait ici cette ligne de tendance qui attrape tous les bas de marché les plus saillants depuis le 3 octobre. Et là aussi, il faut prendre des bénéfices. Bon, cependant, il y a peut-être maintenant un support sur l'AUD/USD à 0,8540. Mais bon, petite, pas trop de conviction là-dessus. Il y a eu donc ce mouvement de quelques heures favorable au dollar australien. Alors, ce qui serait, alors forcément, là, si j'étudie hein, cet US/dollar index, c'est sympathique, hein, ce support à 11 285, il est important. Pourquoi? Parce qu'il conditionne désormais la suite des événements. Au-dessus, on peut tout à fait relancer en direction des prochains, des récents sommets. En dessous, par contre, je pense qu'une cassure éventuelle des 11,285 sur cet indice mécaniquement signifierait l'eurodoll en mesure de s'affranchir d'un 25. Donc, au moins, on a deux repères. 11,285, le support de l'US/dollar index, 25,0510, la résistance de la paire euro-dollar, cette fameuse ligne de tendance baissière en place depuis le mois d'octobre dernier qui continue d'appuyer sur les cours, elle les compresse, les écrabouille. Donc nous verrons bien ensuite la suite des événements. Pour le moment, nous sommes toujours couverts d'ailleurs. Depuis la prise d'appui sur 1,2465, eh bien on est revenu chercher, on a fait 24,93 et ça revend, donc voilà où nous en sommes. Alors dans notre US/dollar index, forcément il y a l'euro/dollar, le GBP/USD, il y a l'AUD/USD, mais il y a aussi l'USD/YEN. L'USD/YEN m'intéresse sur le plan de l'analyse technique. Pour quelle raison? J'ai hier évoqué l'existence d'un niveau de support à 117,35. Un niveau de support à 117,35 qui est renforcé par une ligne de tendance haussière. Et d'autre part, nous avons une cassure sur l'indicateur que nous ne retrouvons pas sur les prix. En clair, cela s'apparente à une forme de contradiction de momentum cachée. Ce qui signifie qu'au fond, USD/YEN est tout à fait capable de préserver ce support à 117,35 et de retendre en direction de cette ligne de tendance ici qui passe aux alentours des 118,20. Donc, je dirais que l'USD/YEN, au moment où nous nous parlons, est plutôt sur support. Et pour la suite des événements, voilà le type d'oblique que l'on peut surveiller. Et forcément, si on en sort par le haut, eh bien, c'est plutôt tout à fait favorable. En tout cas, désormais, pour des stratégies positives, le stop il est sous les, la ligne de tendance, sous les 117,15. Et puis voilà, ça permet de soigner quand même son rendement risque. Et donc c'est plutôt pas mal. Et finalement, l'USD/YEN, peut-être, c'est la paire qui ressemble le plus à cette configuration ici de l'USD index qui a bien réagi sur 11,285. Donc ce qui correspond à cette résistance descendante ici sur l'eurodoll. Donc voilà où nous en sommes sur ces paires de devises. Alors on va continuer le tour d'horizon. En parlant de quoi? Il y a pas mal de choses. Bon, la UD CAD, pas grand chose à dire. Bon, à moins que si vous avez des questions, je vous en... Alors le CAD/CHF, tout à fait intéressant. Nous avons, je pense, un signal en cours sur le CAD/CHF qui me plaît. Là aussi, on retrouve un peu dans l'esprit une divergence haussière cachée. Et donc j'imagine que l'EuroCAD doit subir actuellement une phase plutôt baissière. En effet, l'EuroCAD est sous pression. Donc forcément, on retrouve cela à l'inverse sur le CAD/CHF. Il s'agit probablement d'une stratégie qu'on vous propose depuis vendredi dernier, l'achat des 85,50 sur le CAD/CHF et la vente des 1,40. J'admets, on est allé jusqu'à 1,4060 sur l'EuroCAD. Bon, pour le moment, eh bien, on voit que là, ce qui se passe sur le CAD/CHF, c'est plutôt sympathique comme réaction. Je trouve ça plutôt plaisant. Donc voilà. Ce qui signifie que pour l'EuroCAD, eh bien, si vous êtes toujours à la vente, l'important ce serait une clôture weekly qui se fasse sous les 1,40. Et là, ça permettrait vraiment de, eh bien, de retendre en fait vers les récents bas, hein, tout simplement, quoi. Donc ça fait partie des choses importantes à suivre ici sur cette paire de devises. Donc voilà. Alors on va continuer ici sur ce marché. L'euro CHF, vous avez ce soir un nouveau webinaire important, il faut le suivre. L'euro GBP, rien à dire, on travaille cette zone des 0,79, pas grand chose à dire. L'euro yen, je l'exclus actuellement du suivi des paires en yen que je propose, il m'intéresse moins. L'euro NZD, pas grand chose à dire non plus. Le GBP/AUD, eh bien le GBP/AUD, il s'est approché ici d'une espèce de résistance. Bon, GBP/AUD, il avait bien tenu sur 78,58, il avait franchi ici les 82,75. L'idée c'était de revenir chercher les 86,83. Bon, on s'en est approché maintenant. J'ai pas grand chose à ajouter. Enfin, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, GBP/AUD ne présente pas réellement un intérêt ici en termes de trading. Le GBP/Yen, alors nous avons un objectif atteint, résistance à 186,12. Après une puise d'appui ici sur cette ligne de tendance haussière qui d'ailleurs perd sa validité, elle n'existe plus. Nous sommes désormais dans un range sur le GBP/Yen entre 184 et 186,12, et donc il est possible que 184 soit à nouveau un niveau de support intéressant pour un achat, nous verrons bien. Mais en tout cas, si le GBP/Yen revient sur 184, en ce qui me concerne, je pense qu'il s'agira d'une bonne stratégie d'achat. L'USD/CAD n'est actuellement pas une paire en CAD vraiment intéressante, je trouve. Elle glisse en direction des 1,1170, peut-être que là je l'achèterai. Par contre, je pense que y a mieux à faire en tenant les ventes par exemple sur l'EuroCAD, ou toujours finalement en tenant les achats sur le CAD/CHF au-dessus donc de ces 85,32. Voilà. Bon, le NZD/Yen, c'est pareil, hein, c'est un espèce de range maintenant entre 91,80 et 92,22. On est plutôt au milieu de nulle part, mais j'ai l'impression quand même qu'on rejoint la partie haute. Donc ça ne me choquerait pas, moi, que le NZD/Yen rejoigne les 93,22 sur le court terme. Ce qui signifie au fond que la AUD/JPY est probablement en mesure de revenir tester ici les 101,24. Bon, quitte à faire un choix de paire en yen, l'USD/JPY est clairement là la plus attractive au-dessus du support des 117,35. Sachant qu'en plus, s'il brise à la hausse cette petite oblique, il peut parfaitement revenir chercher la partie haute de ce qui est au fond un range, et donc revenir chercher les 118. Bon. Les mouvements ne sont pas aujourd'hui très très volatiles, je dois l'admettre. Écoutez, voilà, en ce qui concerne les pertes de devises, c'est en fait tout ce que je souhaitais vous dire. Maintenant, on va étudier les pétroles, le gaz naturel, et je réponds à vos questions. Gaz naturel, nous allons l'étudier sur un graphique en données 4 heures. Je pense que le gaz naturel construit une consolidation triangulaire à l'intérieur de laquelle il est coutumier de retrouver 5 vagues. Nous avons ici une première jambe de hausse. Nous sommes dans un flat sous les 4,54. 1, 2, 3, 4. Nous sommes dans la cinquième jambe de ce qui s'apparente à une formation latérale en triangle. En clair, je m'intéresse à un achat du gaz naturel sur support. Quel serait bon niveau de support? Nous avons ici une ligne de tendance qui constitue la partie basse du triangle et qui passe aux alentours des 4,10. Je n'utiliserai pas la MM20 pour une stratégie d'achat. Donc je la supprime et je vous invite à vous intéresser à cette oblique H4. Vous joignez le plus bas ici du 14 novembre 2014 et vous joignez le plus bas du 23 novembre 2014 qui vous permettra d'attraper dans cette zone un point d'entrée protégé par un stop sous 3,96. Donc ça fait, je pense, on peut envisager ce type de scénario. Une jambe numéro 1, donc un temps 1, un temps 2 en forme de triangle, et nous serions dans le temps numéro 5 de cette phase au fond qui s'apparente à un triangle rectangle ascendant. Alors maintenant, pour envisager les pétroles, eh bien, je vais m'intéresser... alors l'USD/CNH rapidement teste donc ce support ici des 6,14. C'est pas mal dans le sens où on a fait une jambe de hausse et qu'on fait un flat. Alors je pense que au-dessus de ces 6,14, la phase de progression peut reprendre. Et désormais, une telle stratégie, elle est couverte par un stop qui est positionné sous les 6,1370. Alors maintenant, où en sont les pétroles? Et pour cela, on va étudier des graphiques en données journalières. Alors, bon, il y a des tractations, il y a tout un tas de rumeurs, j'ai envie de dire, tout ça c'est de la politique, peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'a priori, nous ne devrions pas assister tout à l'heure à une conférence de presse annonçant une réduction de la production de l'OPEP. Il y a des intérêts divergents entre ces grandes puissances productrices. Il y a des rumeurs un peu dans tous les sens, peut-être en faveur de décisions un peu isolées. Bref, pour le moment, que se passe-t-il sur ces cours du pétrole? Eh bien, tout d'abord le Brent, qui tente depuis ce matin de casser ses plus bas annuels, à 76,74. Mais on voit que le marché ne réalise pas une cassure avec conviction. Nous n'avons pas accéléré à la baisse. Donc, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. L'analyse technique donne toujours un message baissier sur les cours du Brent tant que ce marché se maintient à court terme sous cette résistance à 81,60. J'ai pu lire, ci et là, des stratégies d'achat sur cassure de support, c'est de la contre-tendance. J'imagine que le fond de cette stratégie est de jouer la news, de jouer des spéculations sur ce que pourrait être le contenu de la conférence de presse. Donc en clair, ce n'est pas une bonne gestion du risque. Cependant, j'admets que pour le moment, on voit qu'il y a un intérêt acheteur ici et un Brent qui tente de défendre ses plus bas annuels à 76,74. Alors après, les niveaux de support, ils ne manquent pas. Il suffit d'aller chercher en 2010 pour retrouver des niveaux de support sur ces marchés du pétrole. Ce qui est certain, c'est que suite à cette conférence de presse, nous aurons deux cas possibles. Soit une cassure de support nette et sans bavure, ici sur les cours du Brent, et qui la semaine prochaine renverrait ce marché en direction des 72 $. Au contraire, le scénario alternatif serait celui d'une mèche basse et d'un chandelier qui, en cours de clôture, préserverait les plus bas annuels. Dans un tel cas de figure, qui serait celui d'une fausse cassure intraday, il est tout à fait envisageable d'envisager un Brent à nouveau à l'assaut des 81,60 et derrière, si ça passe, les 87,91. Deux cas donc possibles, la cassure du support net et sans bavure ce soir en clôture, annonçant la semaine prochaine 70 $, ou le scénario d'une mèche basse cet après-midi et une clôture favorable annonçant la semaine prochaine davantage les 85,87. Voilà en tout cas comment je vois les choses sur ces cours du pétrole, et nous suivrons tout à l'heure avec attention la conférence de presse de monsieur le directeur des pays exportateurs de pétrole, de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Sur le WTI, le brut, c'est la même chose. Les marchés tentent depuis ce matin de casser les plus bas annuels à 73,24. C'est un signal qui va dans le sens de la tendance baissière. Deux scénarios sont donc désormais possibles. Une cassure franche ce soir, qui se signifierait tout simplement le maintien actuel des conditions de production de l'OPEP, ou un scénario d'une mèche basse et d'une clôture reprenant, eh bien, c'est 73,24. Et au fond, je m'appuierai sur la clôture pour demain vous proposer le scénario de la semaine prochaine. Donc je suis comme vous, j'attends cette clôture. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur scénario possible en termes de probabilité et de gestion du risque. À suivre. Pourquoi c'est important? Parce que depuis la tendance baissière des pétroles qui a démarré début juillet, toutes les cassures de support ont été confirmées, nettes, et derrière se sont suivies d'une accélération à la baisse. Donc soit c'est à nouveau le cas, soit on défend le niveau en clôture, ce qui serait inédit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en clôture des cours du pétrole préserver une cassure intraday, neutraliser une cassure intraday. Donc on verra bien. Je ne sais pas moi ce qui va se passer, on verra bien. Je reviens sur les graphiques intraday, maintenant je réponds à vos questions. Ce sont les seuls actifs sur lesquels je souhaitais revenir avant de répondre à vos questions. Alors y aura-t-il une vidéo pour suivre la conférence de presse de l'OPEP? Non, par contre nous serons présents sur le site, sur le forum, dans la section news en temps réel, pour bien la commenter et puis en voir les conséquences hein, ensuite sur les cours du brut. Hein. La USD/NZD. Alors l'USD/NZD, moi j'attends maintenant une ligne de tendance haussière qui passe à 1,0730. Je pense qu'on a quand même donné un signal de cassure et la ligne de tendance que j'attends c'est celle-ci. Voilà, elle joint tous les bas de marché depuis le début de l'année. Là on a fait une cassure, on peut tout à fait retomber et ici je reproposerai une stratégie d'achat, admettant l'échec de cette stratégie que j'ai proposée ici sur 1,0917. C'était un échec, c'est certain, mais en tout cas bon, c'était un niveau qui permettait de gérer son risque. Hein. Il n'a pas réagi, il a cassé, c'est une vente. Maintenant je m'y intéresserai lorsqu'on reviendra chercher cette ligne de tendance ici sur la AUD/NZD. Alors, si on casse l'oblique, n'aurions pas suffisamment de force pour s'affranchir des 25,70. Alors c'est certain que le jour où l'euro-dollar, s'il y arrive un jour, il n'y arrivera peut-être jamais à franchir à la hausse cette oblique baissière en place depuis le 15 octobre. Le jour où il y parviendra, ce sera en effet un signal d'achat. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a le cas possible où il n'y arrive jamais. Et que finalement on brise les 23,57 et qu'on tente vers de nouveau plus bas. Pour le moment sur le mois de novembre, c'est un range. Nous sommes en fait finalement dans un range, il faut que je commence à regarder les performances mensuelles, mais c'est un mois un peu particulier. Et donc sur le très court terme, on est enfermé là entre 24,65 et 25,05. Donc on va attendre la suite des événements. Alors, le cuivre, oui, alors je dois revenir impérativement sur le cuivre. Alors naturellement que la stratégie que j'avais proposée sur les 3 $, elle a fonctionné dans un premier temps dans le sens où nous avons eu ici une impulsion et le marché est allé chercher les 3,08, je visais 3,11. Donc on s'est approché d'objectifs de cours, les marchés sont retombés et ont désormais cassé le support. Donc ça a été un succès, par contre, un succès du point de vue du point d'entrée, par contre on n'a pas atteint mon objectif de cours, donc au final c'est un échec. Et les cours du cuivre se retrouvent désormais au contact, je crois, de... alors ce n'est pas les plus bas annuels, mais au contact des plus bas d'octobre dernier. Je vois que le marché tente de défendre le niveau. Cependant, bon, j'ai pas forcément là envie de considérer que c'est un niveau de support pour une stratégie d'achat. J'ai plutôt l'impression qu'on est sorti par le bas d'une espèce de flag là, donc je n'ai plus là de stratégie à vous proposer sur les cours du cuivre. L'USD/Yen. Donc l'USD/Yen, alors vous avez manqué, je vous en reparle. J'apprécie le support à 117,35 et c'est ce que je vous dis depuis le début de la semaine. J'apprécie cette ligne de tendance haussière. J'apprécie aussi une contradiction cachée de momentum. Sympathique, et tant qu'on tient 117,35 et cette ligne de tendance, je pense qu'on peut revenir chercher ici les 118. Après, c'est pas non plus hyper dynamique, nous verrons bien, mais vous êtes sur support, c'est un fait, et sur support on ne peut qu'acheter, en tout cas on peut pas vendre quoi. Alors, et enfin Bernard, vous souhaitez avoir un point sur les métaux précieux. il s'avère que sur les métaux précieux, pour ce qui est du court terme, j'avais une stratégie la semaine dernière qui a été un succès. J'en suis sorti lorsque les cours de l'or ont atteint les 1204. Depuis, je n'ai plus d'opinion. Nous sommes en train de faire des ranges. Je ne sais pas ce qu'attendent les cours des métaux précieux. Tant qu'on est au-dessus des 1178, on peut toujours revenir chercher ici cette oblique de tendance baissière. On peut revenir chercher les 1220. Mais franchement, ça devient un mouvement, tant sur l'or ou l'argent, vraiment peu lisible. L'argent, j'ai même l'impression qu'il est sorti par le bas d'une espèce de compression sous les 16,60. C'est plutôt moche, ça peut revenir à 16. J'ai pas non plus envie de shorter, mais pas non plus au niveau actuel des cours envie d'envisager une stratégie d'achat. Donc je suis neutre, et clairement neutre sur le court terme, sur les cours des métaux précieux. Voilà, il est 14h55, bref point de marché aujourd'hui pour cause de Thanksgiving et d'heures de cotation réduite. Cependant, intéressez-vous au marché d'échange et des statistiques européennes et asiatiques qui influencent, vous l'avez constaté, l'euro, l'AUD, encore le yen. En ce qui concerne les indices boursiers, je pense que nous pouvons nous attendre à une phase latérale au mieux et au pire un retour sur support. Voilà. En attendant lundi 1er décembre et le retour du marché directeur mondial Wall Street. Voilà, merci d'avoir été attentif à cette émission. À 18h webinaire et à 19h webinaire exclusif sur le référendum, l'initiative sur l'or de la Banque nationale suisse qui a lieu dimanche prochain. Merci à tous et à demain.